balle. Je vais prendre ça. Wow! Je vais te faire bouger de là vite. Par où? Par là. Allez, dis-moi, t'as cette respiration, dis-moi, t'as cette respiration. Waouh. Allez, 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 Nate, tu peux y arriver. Allez, Nate, allez, Nate. Oh merde. Merde. Ah, vite, attise-toi. Ça va être tendu là. Toi, là. Je sais pas s'il est mort. Waouh, c'était intense. Waouh. Je suis sorti. Ouf. Oh non. Et voilà. Aïe, grimpe. Oh merde. Aïe, aïe. Oh non. Ah mais tiens, ça rappelle le 2 ça par contre.
dépêche-toi. Oh non. Oh mon dieu, tout ce qu'il faut pour me tuer. Ah non. Oh mon dieu. Oh putain. Ça sonne devant ma tête, c'est sûr. Bon boulot, petit. Merci pour le coup de main. Viens par ici, je vais te sortir de là. Ouais, par contre, j'aime pas ta chemise, celui. Par contre, celui, j'aime pas trop ta chemise. Mais bon, le blanc, ça va pas trop bien. Je suis content de te voir. T'arrives pile poil au bon moment. Ah, tu sais, pour rôder dans le coin, c'est pas très bon pour les nerfs. Ouais, il faut d'abord qu'on retrouve Sam et Elena. Est-ce que tout va bien? Ouais. Avec toutes ces explosions, on a cru que... Il sait pas être discret. Tu lui as encore sauvé la peau? Comme d'habitude. Et toi, ça va? Ça va. On l'a échappé belle à plusieurs reprises, mais... Il a pris soin de moi. Alors toi, t'as intérêt... Ça va? Hein, j'ai expliqué. C'est quoi ça? Ça? Une balle qui m'a effleuré. Ah. Et toi? Une falaise qui m'a effleuré. Comment t'as semé Raif? Oh, il a fait tomber son équipe droit dans l'un des pièges d'Avry. Malin. Tu sais... À propos de cette histoire avec Alcazar, là... Qu'on reparle de tout ça plus tard. Non, moi je voulais savoir. Sur la plage, de l'autre côté de la ville. Ok. Avec tout ce remue-ménage, j'espère qu'on n'a pas attiré l'attention. J'espère. Ouais. Attendez, vous faites quoi? Mais qu'est-ce que tu crois? On dégage de ce putain de caillou? Ok, ça c'est la première option. La deuxième serait d'aller dans cette direction. Pour arriver plus vite. Mais arriver où ça? Bah, au trésor d'Avry. Écoutez, Raif va devoir faire tout le tour. Alors qu'on s'en fout de Raif. Hey, Victor, avec tout le respect que je te dois... Tu sais vraiment pas quand t'arrêter, c'est dingue ça. On est tous venus dans le même but, non? Hein? Non, nous, on n'a pas fait tout ce chemin pour le trésor, on l'a fait pour toi. Et je vous en suis reconnaissant, très sincèrement. Mais on assure. En plus, on a une longueur d'avance. Enfin, pour l'instant. On peut y arriver. Nathan, allez. Hein? C'est évident. En fait, Avry a réussi à saborder tous les bateaux présents sur cette île. Et pourquoi? Parce que ce qu'il voulait par-dessus tout, c'était garder son trésor. Exactement. Quel qu'en soit le prix à payer pour son entourage. Parce qu'il voulait surtout éviter d'être suivi. Parce qu'il voulait s'en aller. Regardez ça. Bon. J'ai découvert sa propre carte de l'île. Ok? Là, c'est son navire. Juste ici, sous cette montagne. C'est là que se trouve le trésor. Et c'est vers cet endroit qu'est en train de se diriger Raif. Pendant que nous, on perd du temps à se disputer bêtement. Ouais, et si il avait déjà quitté l'île? Et que son bateau est coulé quelque part au milieu de l'océan? Ben dans ce cas, on trouvera où il a coulé. Oh, de Dieu. Ça fait combien de temps qu'on est après ce truc? Toi et moi. Sans vouloir vexer nos amis. Ils comprennent pas. En fait, si, ils comprennent. Ils savent ce que c'est. Ok. C'est pas la première fois qu'ils voient ce genre d'obsession chez quelqu'un. Ouais. Tu sais... On n'est plus des gosses maintenant. C'est fini. Et on n'a plus rien à prouver à personne.
Où est l'avion, Victor ? Il est par là. Je le sens pas, ça. Je le sens pas. Est-ce que c'est loin d'ici ? Pas trop. Après cette ville portuaire. Pourquoi je sens qu'il va nous obliger à y aller? Et si les gars de Shoreline nous tendent une embuscade à l'avion? Ça n'arrivera pas. Comment tu peux en être si sûr? Parce que eux, ils se dirigent vers la montagne. Pour le trésor. Oh, gunfight là. Combien de balles? 21, ok. Par là. Je sens que Sam va encore nous rouler dans la farine. Ah, voilà. Oh. Ça fait une sacrée descente. Comment t'es arrivé là? Je suis descendu en sautant sur ces murs, mais... Ouh. Je crois qu'on va devoir trouver un autre passage. Oula, encore. C'était quoi? Je crois que ça venait de la montagne. Ce sont les pièges d'Avry. Eh, ça veut dire qu'ils se font sauter. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils sont sur la bonne voie. Allez, s'il vous plaît. Vous restez concentrés, là. Dessous. Tu m'aides, Sam? J'arrive. Besoin d'un coup de main? Non, ça va, on se débrouille. Allez, les gars, on monte. Et madame, excusez-moi. Quelqu'un a trouvé une sortie ? Hé, hey, regardez par ici. Oh, regardez-moi ça. On dirait un genre de téléphérique. Tu crois qu'il marche encore? Y a pas de commande, mais je parie que je pourrais tirer la plateforme avec ma corde. Je sais pas trop encore. Il faudrait que t'arrives à atteindre cette plateforme en bois là-bas. C'est un peu compliqué. J'ai vraiment hâte de retrouver mon petit. Si proche et pourtant si loin. J'arrive. Ok. Je sais pas, j'essaie de trouver un truc, j'essaie de faire avancer la plateforme en balance. Allez, vas-y, Nathan. Voilà, nous on tient, toi tu dois sauter. Yahoo! Wow! Je suis passé! Maintenant, j'imagine qu'il faut. Non, pas tirer. Oh, par où je dois passer? C'est bon, on est prêt. Et voilà, allez, on tient maintenant. Eh bah, cette bande de pirates est un sacré ingénieur. Et encore, ça fait rien, t'as pas dû voir les ascenseurs. Ils ont des ascenseurs. Et pas des. Wow! Accrochez-vous!
bien? Ça va. C'est un peu comme des montagnes russes. Tu nous rejoins, Nathan? Allez, Nathan, tu grimpes et je t'attrape. Allez. Et je suis là. Oh non, 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 non. Ouf. Allez. Allez, allez. On n'a pas toute la journée. Hey, donne-moi ta main. Oh. Et voilà. Sam. Quel salon foiré. Sam, viens. Hein? Ok. Vas-y, saute, je te rattrape. Allez. Oh non, il va faire la pute. Oh non. Non, 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 non. Non. Non, arrête, n'y pense même pas, Sam. Tu m'entends? Désolé de vous avoir entraîné là-dedans. Tous les trois. Écoute, tout ça n'a plus d'importance maintenant. Alors saute. Je peux pas abandonner si près du but. Sam. Eh, hey, je te préviens, Sam, si tu fais ça, je viendrai pas te chercher. T'as compris? Je suis désolé. Sam. Sam. Putain. T'es-tu stupide? Ben, t'as pris au mot. Il court tout droit dans la gueule du loup. Bah, dis-toi, t'étais un peu comme ça, Nate. Ouais, ouais, sûrement raison. Évidemment qu'il a raison. Allez, on y va. C'est là qu'on dit quand même que. Au départ, Nate était un peu comme ça avant. Je sors de là et je lui en colle une. Si tu veux, nous on se concentre d'abord sur la partie sauvetage. Qu'est-ce qu'il a dans le crâne? Après tout ce qu'on vient de. Quand même, ça lui suffit pas? Faut le sortir de là. Bah dis-toi que vu que c'est ton frère et que c'est génétique. Tiens, on peut s'aider de ça. Vous étiez. Passer. Enfin c'est un peu pareil. Et oui, mais ça tu comprends pas. Toi aussi t'étais comme ça avant. Vous êtes prêts? Aïe aïe aïe, la folie des Drake. Ça me rappelle le titre du 3, l'illusion du Drake. Enfin 2, Drake, excusez-moi. C'est bon. Ok. C'est bon. Bah tu vois. Oh, oh merde. Allez, pas que ça va tenir. Nate, vas-y. Non, c'est bon. Vas-y. Oh merde. Comme par hasard, faut qu'il aille seul. Allez. Dieu. Et maintenant, comment on va faire pour grimper là-haut? On n'aura jamais le temps. Mais... Nate? Non, il va pas tout seul. Écoute, je reviens tout de suite, ok? Parce que tu crois qu'il va te suivre sans se battre? Eh ben, on se battra si c'est ce qu'il faut. Mais quoi qu'il en soit, je le ramène avec moi. Toi, fais en sorte de rapprocher l'avion au plus près de la montagne. Et sois prêt à décoller rapidement. Tu crois qu'on peut décoller lentement? C'est pas juste! Quoi? C'est ton tour de faire la vaisselle. Ne me fais surtout pas le coup de pas revenir à la maison. En gros, meurs pas. Je t'aime. Ah là là, c'est mignon. Je t'aime aussi, cowboy. Ça fait longtemps qu'on l'a pas dit, tiens, ça. Allez, c'est parti. Le gardien de mon frère. Avant dans les chapitres, les gars. Bien presque fini. Ouais. Pas presque fini, j'allais dire. Enfin, dans peu de temps, la fin. Ah là là, je suis excité. Aïe aïe aïe. Ok. Par où? Mais tiens, on va s'arrêter un peu là. Tête lune. Pas par là. Par où alors? Par contre, je sens que je vais galérer pour cette vidéo. Je sens que je vais galérer, les gars. Mais un point. Genre, si vous voulez la vidéo, c'est que de la recherche et tout. Mais bon, normalement, allez, ça devrait le faire normalement. Mais oui, pourquoi je suis redescendu comme un gros con? Je sais pas. Laissez tomber, je suis paranoïaque, voilà, tu vois.
manipule par un autre. Allez hop. Hop, 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 hop. Et on passe par là. Par contre, je veux une belle fin. Parce que l'intro, ça allait. Mais c'est juste de l'accueil du jeu qui me perturbe. Mais bon, c'est pas grave. C'est quoi ça? Des traces de pas. Sam! Ah, c'est pas vrai. Je suis sûr qu'il est déjà loin maintenant. Ikozo! Wow! Si c'est une montagne, elle fait de l'œil chaque fois, donc c'est bon. Sauver Sam et me tirer d'ici. Et ouais, demain, on rira bien de tout ça. Ouais. Mais attendez les gars, on a encore rien vu. Imaginez s'il y a une sorte de sbire de Lupitaria, les fantômes de fantômes d'Harry, d'Avery, d'Avery. Attention, on a encore rien vu. On n'a pas encore vu de créatures anormales. Et voilà, la piste reprend. Ouais, on n'a pas vu de créatures anormales, donc on sait pas encore s'attendre. Comment monter? Allez, par où il est parti? Allez, on a la position. Allez, c'est bon. Là-haut. Le soleil est en train de se coucher. À mon avis, on va passer la nuit dans cette grotte. Yep. Spider-Man. Wouhou. Oh les bons kiffés quoi, truc de malade. Yep. D'autres traces. Bon, tu t'es pas encore écrasé comme une merde. Déjà ça. Ouais. J'ai encore une chance de te buter. Ouais, si tu le dis. Hop là. Et on continue. Allez mon Nate. Dis-toi que c'est bientôt la fin de ton périple sur la PS4. Enfin, sur la PS4, sur le jeu vidéo. Putain. Donc, donne-nous une bonne fin, s'il te plaît. Au moins pour moi, enfin, je dis pour moi, mais voilà, je généralise. Et pour tous les fans de Naughty Dog et d'Uncharted. Fais-le au moins pour nous. Alors, et hop. Un trésor là-dedans? Non, y a pas. J'aurais cru. Bon, on y arrive à cette montagne? Oh, on est juste au-dessus. Oh non, on me dit pas qu'il y a des pièges. On dirait un feu de camp. Et des traces ici. Un chemin un peu simpliste, vous trouvez pas? Moi, je trouve. Encore des traces. Allez, on accélère. On entre. Ouais. C'est parti. Sam! Attaqué. On monte. Oh. Excusez-moi. Ah, te voilà. Allez, faut y aller. Faut y aller. Yeah. Ça a craqué. Oh. Yeah. Hop là. Ok. Allez, on continue. Allez. Allez. La lumière, c'est pas tout. Ah oui, j'aimerais vous parler aussi du multijoueur. Du multijoueur que je vais bientôt faire des vidéos dessus. Oh, une tortue! Je sais pas, vous avez vu, il y avait une tortue. Là, elle est rentrée dans ce petit trou là. Vase de pierre. Ouais. Bon, si tu veux.
Aux enchères, bien sûr, je vais vous faire plein de vidéos dessus, des vidéos de délire, voilà tout ce qu'il faut. Et je compte même faire, j'ai même un petit concept, mais je sais pas si je devrais, si je sais pas si je vais le faire ou pas parce que je vais mettre un truc stylé dedans, donc j'ai peur que j'ai des, vous savez, dans d'auteur, voilà. Donc j'ai pas envie que la vidéo se supprime alors qu'elle va être juste géniale. Après, ça va être difficile à réaliser surtout. Hop. Allez. Ah putain, c'est plus dur que ce que je croyais. À là-haut. C'est dommage qu'on peut pas se lancer et enfin sauter et lancer le crochet quand on est à, enfin lancer le grappin quand on est accroché. Hop. C'est bon, on y est. Aïe, aïe, aïe. Oh, oh non, 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 tombe pas, tombe pas, tombe pas. Allez, tu peux y arriver. J'ai réussi. Je sais pas comment, mais j'ai réussi. Ouais, c'était chaud. Allez, on descend en rappel. Oh, je crois qu'on a trouvé le navire d'Avery. Voilà, il vient juste de le dire. Le trésor est peut-être là-dedans. Oh. Allez, c'est bon, on y est. Et tiens. Et hop, voilà, ça se passe pour le mieux pour l'instant. Ça se passe bien, bien pour l'instant. Monte un peu, s'il te plaît. Voilà. D'accord. Putain, il y a un magnifique. J'ai envie de sauter, mais je pense que c'est pas très profond. Donc, autant pas faire ça. Aïe, aïe. Non, 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 non. Je vais descendre par là. Non, tu crois? Oh. Oh la vache! La la! Oh la la! Oh, ça glisse sa mère! Oh la la la! Oh mon dieu! Aïe 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 aïe! Ouf! Ouf. J'avoue, j'ai failli me rater au bout d'un moment. Sam. Ouais, j'avoue. Ça m'étonnerait. Il a sûrement trouvé un moyen de descendre au sec. C'est trop ça. Moins douloureuse. Hmm. On va passer par là-bas. Là, là. Je sais, je suis remonté. J'ai pris cher quand même. Le bateau fini ? C'est le tout dernier, madame. Bien. Si on fait vite, on peut rattraper les autres. Mais merde. Cet enfoiré de Sam vient de nous piquer notre bateau. Il fonce droit vers le navire d'Avery. Qu'il y aille. On arrête. On arrête ? J'ai perdu presque tous mes hommes. Et ceux qui restent sont déjà partis. Mais le trésor est là. Dans ce navire, là, juste sous votre nez. Votre pirate chéri a posé des pièges partout dans cette grotte. Pas question de monter sur son navire. Nadine, si vous arrêtez tout maintenant, la perte de vos hommes et tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, ça n'aura servi à rien. On a quand même trouvé des millions en or. Et on est encore en vie, c'est déjà pas mal. Pas étonnant que vos hommes vous aient laissé tomber. Je vous demande pardon. On est sur le point
d'écrire une nouvelle page de l'histoire, et c'est ce moment-là que vous choisissez pour vous enfuir avec les miettes que Sam va vous laisser. S'il arrive à sortir vivant de ce navire, tant mieux pour lui. Il l'aura mérité, ce butin. J'en dirai pas autant de vous. Ouf. Ça suffit. Soit on reste là, à s'insulter toute la journée, soit on va terminer ce qu'on a... Oui. On n'a qu'à en finir pour de bon. Désolé, madame. Il les a payés. Le truc avec les mercenaires, Nadine, c'est que leur loyauté, elle est à vendre. Au plus offrant. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va au bout de cette aventure ensemble? Ou est-ce qu'on y met un point final maintenant? Elle a fait un coup de pute, je sens. Allons écrire l'histoire. Je préfère ça. Oh. Après vous. Là, elles se sont un peu enculées. Nadine fait penser surtout à la chef des Lucioles dans The Last of Us. Mais je sais plus comment elle s'appelle. Actif. End. La fin d'un voleur. Aïe aïe aïe. Et vous savez quoi? Je vous laisse ici. Allez, à tout de suite.